Bonjour à toutes et à tous, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc on va continuer où on s'est arrêté la dernière fois. Donc j'ai fait plusieurs choses, hein. Déjà je me suis remarié avec une autre personne. Étant donné qu'il y avait un tout petit problème, c'est que c'était ma femme, c'était un mariage matrilinéaire, donc je ne pouvais pas avoir d'héritier pour moi. Donc j'ai été légèrement obligé de faire un autre mariage, donc pour éviter tout le problème de chercher l'épouse, tout ce qui est problème après de prestige, tout ça, ben je vous ai coupé ce passage. Hein. En même temps que j'ai retouché un peu le conseil, je les ai remis en place, donc voilà mon nouveau conseil. Je sais qu'il y a lui qui est nouveau, je crois qu'il y a lui aussi qui a changé. Après derrière je me suis aussi occupé un peu de... Vasso, je sais même plus comment on accède au vasso. Voilà. De tous mes vassaux, et je vais aussi regarder un peu les traits de caractère. Hein. J'ai eu quelques petits changements dedans. Donc voilà. Niveau diplomatie, c'est plus un cancre. Même si ça n'est toujours un peu bien pour moi, mais bon. Voilà. Et l'épouse. Énormément prisonnier, d'accord. Épouse, donc une très bonne épouse, hein, et éminence grise, donc c'est génial. Hédoniste, bof, lâche, honnête. Donc voilà, concupidante. Hein. Oula. La beauté ne l'apprécie pas beaucoup, je pense. C'est pas grave. Et en même temps, l'argent a un peu changé. Donc. Pas parfait. Et tout qui se passe bien finalement. Je ne suis plus paresseux, ouais. Donc un choisir qu'on peut, j'ai toujours pas d'autre truc. Prisonnier à la fin de la guerre, je le libère. Faction, créer une faction. Je suis en pleine réflexion là. Ce que j'entends en fait que je sois sous le Danemark, c'est qu'on a une immense armée en fait qui me permet de contenir en quelque sorte le Saint-Empire. Je crois que c'est 20 000 hommes ou quelque chose par là. 11 000 hommes. Donc il n'y a que 11 000 hommes. Fais gaffe toi. Donc ça me permet en quelque sorte d'avoir un peu une petite protection. Le problème c'est que si je reviens au royaume de France, le Saint-Empire risque de me faire légèrement mal. Mais vraiment légèrement. Le siège se prolonge, d'accord. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Garde excommunication, d'accord. Pour tout, ils font ce qu'ils veulent, hein. Voilà. On fait la paix, hop. Voilà. Donc maintenant, le duché de Bourgogne. Des mots costeuses duché. Toi, on te libère. Voilà. Mmh.
techniquement je peux vous déclarer la guerre. Bon, bien évidemment, ceci vous êtes déjà rendu compte, quand vous gagnez le contrôle du comté, vous gagnez beaucoup d'argent dans les sièges. Bien évidemment, ici c'était complètement pillé. Hein. Donc voilà, c'est une chose qui peut être utile, franchement. C'est quelque chose de sympathique. Ici, on va enlever notre armée. Et faire une question sur le jet Sam, comté de Troy. Pourquoi je peux déclarer? Je comprends pas pourquoi. Normalement je peux déclarer la guerre. C'est pas pour moi. Ah oui. J'avais oublié une chose. Quand votre souverain meurt, ou votre chef, ou tout ça, vous perdez tous les revendications entre guillemets que vous aviez dessus. Par exemple, là, je ne peux pas. C'est plus une revendication pour moi-même ici maintenant, ça erre. Donc voilà. Ça, je suis pas d'héritier. Je vois pas pourquoi en fait je peux enfermer, mais bon. On a dû tenter de me faire un coup fourré dans le dos. Voilà. Ce qu'il veut, ça me gêne pas. Puis on me demande de la libérer, je vais la libérer, comme ça au moins ça me fait un peu moins de pression. Donc voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Il se passe beaucoup de choses. Créer la faction pour... Oula, je suis plutôt là, donc... Commande de guise catholique pour me protéger, je dois avoir veillé pour obtenir. Satisfait, piété mensuelle. Voilà, bon. Ah, j'ai aucune idée là, ce que ça fait ce trait là, donc je suis pas vraiment en train de réfléchir pour retrait de caractère. Bon, je suis malade, c'est génial. Mettre fin au complot, hop. Évidemment, on va essayer de trouver une faction hein, à faire. Et je gagne beaucoup d'argent, qu'est-ce que c'est génial. Mettre fin au complot, hop. Et nous allons faire un banquet. Donc voilà. Ça coûte cher par contre un banquet. Hein. Et pas que les personnes refusent de venir, mais bon au final on s'y habitue. Hein. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Petit défaut du jeu. Donc alors, ben évidemment c'est un jeu Paradox Assembly, donc d'ailleurs tout le monde est venu, c'est impressionnant. Et qui dit Paradox
donc je sais même plus quel nom de la société, c'est génial, j'ai un trou de mémoire. Donc qui dit jeu paradoxe dit bien évidemment que certaines choses ne sont pas vraies. Diplomatie, bon, c'est génial, ça. Par exemple, le Danemark n'a jamais pris la France. Enfin si. Disons que les Vikings ont débarqué en France et ont capturé la Normandie. Les rois de vu que Paris était menacé, ils ont décidé de leur donner la Normandie. La Normandie qui à la base était uniquement composée de ces deux régions, mais ils vont décider de capturer tout ça, donc c'est vraiment une grande guerre et la Normandie va devenir un des duchés les plus puissants. À côté de ça, Castille, Lyon et Galice, la Galice va disparaître au profit de la Castille, Castille et Lyon sont toujours un peu cousins et au final le roi de Castille va disparaître. Et c'est Lyon en gros qui va récupérer toute l'Espagne. Et qui va unifier l'Espagne, bien évidemment. À Castille, l'Espagne ne contrôlait pas la Bretagne. Hein. Ça c'est des guerres par la suite qui nous font qu'on récupérera. Donc voilà. C'est fête fantastique, divertissement amusant, conseil d'érudition. La question que je me pose en fait c'est qu'est-ce qui est le plus... Danemark c'est tout ça. Donc la Normandie ne fait pas partie du Danemark. Par contre ça... D'accord. Le duché de Champagne. Et... sa couronne de France que je convoite bien évidemment. Hein. Ouais, royaume de France. C'est compliqué quand même là, c'est... C'est compliqué. Et là, je vais vous expliquer. Quand il y a un changement de suzerain, en fait, tout ce qui est paix établie avec l'ancien ne sont plus valables. Donc, une personne meurt et vous pourrez déclarer en quelque sorte toute la guerre derrière. C'est parfois que il arrive parfois qu'on fasse 2-3 guerres d'affilée contre le même pays, récupérer 2-3 territoires d'affilée. À cause de morts successives ou durant des batailles, tout ça. Elle est enceinte, Catherine. Alors Besançon, tiens pas mal. Diminue l'autorité de la couronne, génial. Bon, faut savoir que c'est un peu pareil partout, hein. Non, moi j'ignore cette loi, je sais pas quoi. Voilà, la tour niveau 2 sur 6. Ça m'a coûté un bras, mais au moins j'ai réussi à la mettre. Et comment ça se fait que je ne peux pas choisir un complot comme ça? Alors, il y a quoi comme complot? Indépendance, faut pas viser indépendance, c'est quoi se faire conquérir complètement. Après, pourquoi pas une succession élective en France. Je suis en train de réfléchir. Donc, on va regarder une chose.
13 000 hommes, j'en ai... Oula, 6 600. Donc, j'ai quasiment... J'ai la moitié des troupes du royaume. Bon, j'ai une idée, je sauvegarde. Hein. Pas sous la France, ça c'est notre sauvegarde. Je sauvegarde. Je fais une micro-pause, il n'y a même pas d'une seconde. Bon, alors nous revoilà. Alors bon, j'en ai marre de recommencer cette vidéo là, surtout à ce moment-là. C'est la 7e fois que je refais la vidéo, c'est la 7e fois que je reprends mon indépendance. Et ça commence à faire beaucoup, donc je m'en excuse, mais je vous filmerai pas cette guerre. J'ai déjà beaucoup de mal à gagner, donc j'ai pas envie de vous perdre du temps, étant donné que c'est une guerre que j'ai sûrement gagnée sur 5-6 ans. Je me suis entraîné 2-3 fois avant, j'ai aussi 2-3 fois d'affilée, donc voilà. Donc ça prend beaucoup de temps pour que je la gagne, donc il y aura une ellipse. Hein, il va avoir une belle ellipse. Je vais faire ça de mon côté, il va refuser bien évidemment, dès que vous demandez à un roi de laisser son titre, il refuse. Donc je fais ça de mon côté, bien évidemment entre temps, l'amélioration tour sera finie et j'aurai commencé lycée de joute, donc je vous dis d'avance. Donc on se retrouvera tout de suite après ma victoire. Hein. Donc je sais que c'est un peu dommage que vous voyez pas ça, mais ça me facilite vraiment la tâche, parce que parfois c'est... Quand une guerre est vraiment dure à gagner, je préfère faire comme ça. Que vous ne regardiez pas, que plutôt... que de perdre par exemple 2 voire 3 vidéos dessus juste pour une guerre en fait, parce que quand je fais une guerre, moi je suis en vitesse en fait 1 ou 2 pour être toujours très réactif quand je vois les armées ennemies, donc ça risque de faire 1 heure voire 1 heure et demie de vidéo, donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite, je vais finir cette guerre et on se retrouve après. Alors nous revoilà, bon, et il y aura eu beaucoup de choses qui s'est passé entre temps hein. Alors première chose, vous constatez que Rome de France est de nouveau français et que je suis roi de France. Or il s'est passé 2 choses. J'ai fait ma guerre contre Danemark et en même temps, il y a Normandie et plus à Normandie, je sais plus le comté ici. Les 3 comtés là, là ça doit être les Flandres, se sont rebellés contre le Danemark et ont demandé que la couronne de France me soit remise, ça m'a même étonné ça. Et donc. Moi j'ai gagné ma guerre, je suis devenu roi de Danemark, et eux vont également gagner leur guerre contre, c'est-à-dire que je deviens roi de France et roi de Danemark. En même temps à peu près. Donc je récupère tout, et bien évidemment il reste quelques petits problèmes, c'est qu'il reste 2 duchés, il reste ses comtés à récupérer, mais je dois faire une guerre, et je dois récupérer ça. Ensuite, en même temps, bien évidemment c'était bien marrant, toutes ces guerres, je suis... Le Saint-Empire est venu plusieurs fois me déclarer la guerre. Une fois pour récupérer Bourgogne, tout ça. Et l'ayant complètement explosé. Et là, avec 10 000 hommes, explosé 40 000 hommes, j'étais sacrément content de moi. J'avais utilisé quelques mercenaires quand même. J'ai détruit complètement l'armée de Saint-Empire. Et j'avais, une fois que je suis devenu roi de France, énormément de revendications sur des territoires à côté, ça soit Forez, Lorraine, j'avais, et en parallèle de ça j'avais des vassaux, j'avais un vassaux qui était marié avec Palatina, donc c'est la Lotharingie, j'avais la Savoie, le doge de Savoie était marié à celle de Champagne. Et la Provence, pareil. En fait, j'avais des mariages entre les deux. Et il y a une petite rébellion dans le Saint-Empire romain germanique qui a fait qu'ils ont été chassés du pouvoir. Il les a invités à venir en France. Et grâce à ça, en fait, j'ai, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, j'ai décidé de déclarer la guerre au Saint-Empire pour récupérer ça. Et ça s'est passé en fait en même temps que moi j'étais occupé à faire ma guerre. Ça s'est passé en parallèle. Donc ça veut dire, le Saint-Empire m'a attaqué, elle s'est fait complètement détruire son armée. Sans compter en plus qu'il y avait des rébellions partout, ici, il y avait des rébellions un peu partout.
Donc moi j'étais content de cette guerre. Et en profitant qu'il était suffisamment affaibli, j'avais plus de troupes que lui, je me suis dit, bon, on va appliquer toutes mes revendications que j'ai. Donc j'ai appliqué les revendications que j'avais sur Aguataragis, sur le comté de ici, comté de Lorraine, sur le duché de Savoie et sur la Provence. Et à côté de ça, bien évidemment, j'avais une revendication sur la Forez. Donc en gros, j'ai exposé une grande partie du Saint-Empire juste avec cette guerre, hein. Donc au final, cette guerre s'est plutôt bien tournée. Mais excuse, je ne vous ai pas montré tout ça, mais bon. C'était tellement long. Ouais, je ne vous dis pas le nombre de fois que j'ai chargé, franchement. J'ai chargé tellement de fois la partie que ça vous aurait énervé à force. Bon, le principal, c'est qu'on a réussi ça. Donc le Royaume de France une meilleure gueule. Ensuite, là vous avez parlé pour Saint-Empire, il s'est passé que là vous voyez que l'Aquitaine est un peu dans le bordel. Et j'ai profité avec Toulouse pour récupérer une partie d'Aquitaine. Et en Bretagne, exactement pareil qu'avec le Saint-Empire. Il y avait un mariage présent ici. La personne a été chassée. J'ai récupéré, j'ai pris ça pour lui. Il m'a juré fidélité et hop. Voilà, comment je récupère un duché de Bretagne. Donc au final, j'ai récupéré beaucoup de choses. Toutes ces guerres ont bien évidemment fait que j'ai une immense fortune maintenant. Fortune que je vais m'empresser de réinvestir. Et hop, ça, on va réinvestir ici. Muraille de la cité ici. Et en même temps de toutes ces guerres, j'ai des villes qui se sont construites. Je sais pas, le roi de Danemark a décidé de construire quelques villes ici, surtout Gandron. Voilà, il y a des villes qui ont voulu être construites, bon. J'en profite, hein. Qu'il y ait plus de villes, dit bien évidemment un meilleur budget, tout ça, ça suit, hein. Donc voilà. Possession vassale 207. J'ai... quasiment 19 000 hommes. Et le Saint-Empire en a 26 000. Voilà. Toutes ces guerres ont fait que, en fait, j'ai complètement torché. Faut être honnête. Voilà. Créer un duché, créer le royaume de Bourgogne. Ouh. Intéressant. Vienne, Lyon. Alors, là je vois que je peux créer le royaume de Bourgogne. Hein. J'explique ce que je vais faire. Je créerai le royaume de Bourgogne. Un enfant n'a pas de tuteur, donc éduquer un enfant. 19, 14, 16. Reine de France, c'est très bien. Donc tu sais qu'il n'y a pas reine de France. Bien évidemment, c'est un peu pour ma région, donc. Le duché royaume de jour de Bourgogne. Le duché de Bourgogne, vous voyez l'image ici. Je mettrai cette image là pour le royaume de Bourgogne. Pour garder un peu cet esprit là. Et comme ça nous serons le royaume de Bourgogne, le fier et beau royaume de Bourgogne. Il y a Montbéliard, Belfort, Vesoul, ça c'est pour l'instant sa Franche-Comté, Morteau, Mèche. Par curiosité, pourquoi il m'aurait déclaré la guerre? Vous voyez, je finis une guerre, je repars en guerre. Ouais. Bon. Souvent, je prends pas les troupes là parce qu'il y en a trop peu, mais... Ça a 14 000 en plus. Bon voilà, je vous ai un peu résumé après tout ce qui s'est passé, donc royaume d'Aquitaine n'existe quasiment plus. Voilà, 10 000 hommes
ici. Je ne sais pas combien de bateaux il faut pour transporter 2000 hommes. Je ne sais plus plutôt, parce que j'ai tellement fait de guerre en fait. Alors pourquoi il me déclare la guerre? Titre duché de Provence. Ah, ça c'était un petit investissement que j'avais fait, j'avais construit une ville, hein, vu que j'ai plusieurs villes, hein, je n'ai construit qu'une normalement. J'ai construit autant de villes que ça, tiens. Vous voyez qu'en fait j'avais être blindé de pognon parce que pour construire autant de villes ça coûtait un bras une ville, donc c'est bien. Alors, 12 000 hommes qui arrivent, mon armée qui n'a aucun chef. Rapidement les chefs. Lui il est nul. Lui il a rien qui. Toi, effectivement, c'est la défense. Parfait pour la défense. Lui, il est nul. Défense, il est bon en défense, donc je peux garder. Moi. C'est pas du tout, je peux plus de troupes. Hein. Cette bataille très très dure, cette bataille, faut être honnête. D'accord, c'est bon, je me rappelle du pour... Je me rappelle de, du taux de navire, c'est 10 navires égale 1K. Donc, un navire égale 100 hommes. Voilà. Oh là 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 là. Bon, la vidéo commence à se faire long, donc en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Malgré la coupure que je vous ai fait, en tout cas dès la prochaine fois, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.